La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Soyez les bienvenus en ce dimanche matin dans ce temple de Champel où nous sommes réunis une fois encore pour nous laisser imprégner par la parole de Dieu, pour faire monter vers lui nos prières et nos chants. Et partager les signes du pain et du vin. Et pour entrer dans ce culte, je l'invoquerai avec le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est au milieu. Il n'est point ébranlé. Il nous secourt. Dès l'aube du matin, les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix et la terre est dans la crainte. L'Éternel est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Je vous invite à chanter. Nous chanterons au cantique numéro 365, et nous chanterons ce cantique. Rappeler que la loi de Dieu n'est pas simplement un ensemble d'observances qu'il faut respecter ici et maintenant, mais qu'il y a une finalité à très long terme à cette loi. Il y a l'espérance que tout au bout de l'histoire, l'être humain sera autre et différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est ce que nous rappelle Ésaïe. Venez, montons à la montagne de l'Éternel, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi
et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des peuples, l'arbitre d'un grand nombre de nations. De leurs épées, ils feront des charrues, de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus le glaive contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Je vous invite à la prière. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, nous voici devant toi, avec dans nos têtes l'onde de choc des événements guerriers de la semaine écoulée, qui nous plongent dans le désarroi et dans l'inquiétude. À peine étions-nous sortis d'une épreuve qui a duré 2 ans, que nous voici confrontés à un autre défi. Ces mauvaises nouvelles mettent à l'épreuve nos certitudes et notre espérance. Il nous semble que le jour a baissé. Nous sommes désemparés. Où es-tu donc, ô notre Dieu ? Et cependant, tu nous parles non pas dans un enclos fleuri, bien à l'abri, mais sur la terre des hommes, au milieu des grandes haines, des malheurs et des soudains défis. Et c'est dans cette humanité pécheresse et souffrante que nous devons entendre ta voix. Nous voudrions que ce culte soit une vraie prise de conscience de nous-mêmes. Viens nous redire qu'aucune convulsion de ce monde ne saurait nous séparer de ton amour en Jésus-Christ. Rien n'a pu séparer nos journées d'hier de ton amour, et quoi qu'il arrive, rien ne séparera nos journées de demain de ton amour. Car ce n'est pas seulement du côté de la mort que nous avons besoin d'assurance, mais aussi de cette vie, constamment menacée et troublée, où pourtant tu nous demandes de marcher avec tranquillité. Avec ce cantique qui est cher à nos cœurs, nous t'adressons cette prière. Ô Dieu, tu nous veux tant aimer qu'il te plaît de nous confirmer dans notre foi sereine. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et recevons la paix du Christ, cette paix du Christ qui inclut le pardon. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Amen. L'Écriture, prions. Dieu notre Père, accorde-nous ta présence ce matin, afin que ces textes anciens soient pour nous leçons de vie. Permets qu'ils nous offrent une réflexion claire, un regard clairvoyant sur notre présent
et qu'il soit le fondement de notre espérance, tournée vers un avenir toujours à construire. Lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. L'homme appela sa femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, car c'est elle qui a été la mère de tout vivant. Le Seigneur fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il les revêtit. Le Seigneur Dieu dit « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Maintenant qu'il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre à jamais. » Le Seigneur l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ayant ainsi chassé l'homme, il posta les chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Maintenant, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au chapitre 5. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, il mettait tout en commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. Nul parmi eux n'était indigent. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et les déposaient aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins. Ainsi, Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres, ce qui signifie « l'homme du réconfort », possédait un champ. C'était un lévite originaire de Chypre. Il vendit son champ en apportant le montant et le déposa aux pieds des apôtres. Un homme du nom d'Ananias vendit une propriété d'accord avec Saphira, sa femme. Puis, de connivence avec elle, il retint une partie du prix, apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as retenu une partie du prix du terrain. Ne pouvais-tu pas le garder sans le vendre? Ou, si tu le vendais, disposer du prix à ton gré? Comment ce projet a-t-il pu te venir au cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. » Quand il entendit ces mots, Ananias tomba et expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprenaient. Les jeunes gens vinrent alors ensevelir le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. 3 heures environ
s'écoulèrent, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre l'interpella. « Dis-moi, c'est bien tel prix que vous avez vendu le terrain ?» Elle dit « Oui, c'est bien ce prix-là. » Alors Pierre reprit. « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Écoute, les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont à la porte. Ils vont t'emporter, toi aussi. » Aussitôt, elle tomba aux pieds de Pierre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Une grande crainte saisit alors toute l'Église et tous ceux qui apprenaient cet événement. Dimanche dernier, mon collègue a inauguré une traversée des Actes des Apôtres qui va nous occuper quelques dimanches. Et si je crois me souvenir, nous vous avions distribué déjà les étapes que nous avions choisies. Et il a souligné dans sa prédication, à juste titre, combien les premiers chrétiens ont été gouvernés par l'impératif d'ouverture ou d'inclusion, pour utiliser un mot à la mode, parce qu'en effet, l'Église primitive
a essentiellement recruté parmi les exclus du judaïsme de l'époque, c'est-à-dire tous ces gens qui étaient attirés par le Dieu unique, mais qui, pour toutes sortes de raisons, ne pouvaient pas y rentrer. Un impotent, par exemple, un boiteux, ne peut pas y rentrer parce qu'il n'est pas complet, telle était la loi. Donc, l'Église primitive a recruté parmi ces gens-là, et aussi, bien sûr, parmi les tenants des cultes païens, des croyances populaires. Il lui fallait impérativement faciliter l'accès du plus grand nombre à la parole de salut. Pour autant, vous l'avez entendu, cette facilité d'accès ne mène pas exactement à l'abbaye de Thélème, chère à Rabelais, dans laquelle chacun fait ce qui lui plaît. Il ne faudrait pas que les exclus d'hier, désormais inclus dans l'Église, aillent s'imaginer que tout leur est permis. Ils doivent au contraire veiller à ne pas se faire exclure de nouveau, et ce, nous l'avons entendu d'une manière assez radicale. Je commence par le tableau de la première communauté de Jérusalem. Les premiers chrétiens semblent avoir réalisé la communauté parfaite, la communion parfaite. Ils forment un seul cœur, ils sont une seule âme. On vit d'amour, de prière, de cantiques et d'eau fraîche. Les soucis du quotidien ont disparu et la propriété individuelle est abolie. Tous les biens sont mis en commun, si j'ose dire, c'est une espèce de communisme primitif, si l'on veut. C'est que pour ces gens, l'économie présente touche à sa fin. Dieu est tout proche. Il n'y a pas lieu de se préoccuper du lendemain, puisque le Christ va revenir incessamment pour établir le nouveau millénium. Ce tableau des actes a maintes fois servi de modèle à ceux qui ont tenté de rétablir sans succès l'Église dans sa pureté originelle. Nous nous doutons bien quand même que cette peinture est trop idyllique pour être en tout point exacte. Elle décrit une assemblée d'anges plutôt que d'hommes, juge Calvin. Et voilà que cette description merveilleuse sert de décor à une affaire effarante, l'affaire d'Ananias et de Saphira. Une affaire dont on espère qu'elle a été inventée tant elle est scandaleuse. Un couple ne joue pas le jeu de la mise en commun de tous les biens. Il décide de vendre sa propriété, mais d'en garder une partie et, disons, d'être discret sur cette partie qu'il garde. Après tout, c'est bien leur droit. Et donc, ils ne remettent aux apôtres qu'une partie de la revente de la propriété, sans dire qu'ils ont pris des dispositions pour eux, mais après tout, nous pourrons juger qu'il s'agit là de leur vie privée. Et voilà qu'Ananias se trouve convaincu de mensonge par l'apôtre Pierre et qui tombe raide mort. Vient le tour de son épouse Saphira, qui, avec un certain raffinement de cruauté, vous l'avez entendu, est éliminé à son tour pour la même raison. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est donc que cette communauté parfaite qui liquide les réfractaires en les livrant au pouvoir de vie et de mort d'un apôtre? Serait-ce une secte tueuse, après tout? On se le demande. Parce qu'en matière de pardon et de charité chrétienne, on doit pouvoir faire un peu mieux.
Certains iront jusqu'à juger qu'un récit pareil n'a tout simplement pas sa place dans le Nouveau Testament. Seulement, il y est. Il y figure. C'est comme ça. Alors, essayons de nous demander pourquoi. Et je vais vous donner deux pistes. La première, c'est de répondre à la question suivante. Quelle pouvait être l'intention de Saint Luc, excellent écrivain, quand il compose un morceau de bravoure pareil? Peut-être veut-il faire comprendre que l'Évangile est une affaire très sérieuse, qui n'est pas à prendre à la légère, après tout. C'est du salut qu'il s'agit, quand même. Alors, il pousse la dramatisation de son récit à l'extrême, de manière à provoquer un effroi sacré chez ses lecteurs. Il surjoue la puissance sacrale de la communion de l'Église, bien conscient que la crainte favorise sans doute l'effort missionnaire, surtout parmi un public qui est encombré de superstitions populaires. Les Actes des Apôtres nous donnent 1000 exemples de ces superstitions. Il s'agirait donc d'une mise en scène destiné à impressionner le public. Alors on pourrait reprocher à Luc de jouer un peu avec la crédulité des simples. Il nous répondrait sans doute que c'est pour la bonne cause. Quoi qu'il en soit, si c'est possiblement une explication, elle ne nous touche plus guère, ou en tout cas, ce théâtre ne nous touche plus guère, il nous scandalise plutôt. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le classer dans les documents relatifs à l'histoire des mentalités du monde antique? Je ne crois pas quand même. Quand on y regarde de plus près, ou de plus loin, ça dépend, ce passage ressemble beaucoup à ce qu'en musique on appelle une variation. Vous savez, une variation musicale, c'est un récit musical qu'on fait à partir d'un thème et on retrouve des éléments du thème dans quelque chose qui est tout à fait différent. C'est une sorte de variation autour de la Genèse. Cela commence par une sorte de paradis terrestre, suivi de la destruction de l'harmonie originelle à cause du péché d'un couple. L'évocation d'un mensonge, la figure de Satan qui vient dans la bouche de Pierre, la perte de l'innocence et le surgissement de la mort. C'est un peu comme si Ananias et Saphira rejouaient le rôle d'Adam et Ève. Et entre les lignes, nous comprenons quelque chose. C'est que l'illusion lyrique des premières générations chrétiennes s'est dissipée parce que le Christ n'est pas revenu. L'enthousiasme est retombé et le monde a continué. L'Église s'est vue contrainte de faire quelque chose qu'elle ne prévoyait pas, c'est-à-dire d'entrer dans l'histoire longue. Les chrétiens ont pris conscience à un moment donné qu'ils vivent désormais, pour reprendre le titre d'un film célèbre, à l'est de l'Éden. C'est-à-dire qu'il reste des humains parmi les humains dans un monde qui est un monde profondément humain. Saint Augustin a magnifiquement parlé de la nostalgie qui nous habite. Au plus profond de nous, il y a une soif. Il y a la soif de quelque chose de pur, d'absolu, de complètement harmonieux. Nous aurions tellement envie de vivre dans cette ambiance-là.
Au fond de nous, il y a cette envie de revivre l'exaltation des commencements, quand tout paraît possible, quand il semble que tout va changer définitivement pour le mieux. Et voilà qu'à ces aspirations viennent se confronter le réel, les compromis, les défaites accumulées, la persistance du mal, bref, à tout ce qui corrompt nos rêves. C'est pourquoi, pour une part en tout cas, l'existence chrétienne, dans ses rapports avec Dieu, est teintée d'une certaine nostalgie. Nous vivons à l'est de l'Éden. C'est-à-dire que nous menons une existence qui est séparée de Dieu. Et c'est peut-être ce sentiment qu'on veut décrire quand on parle de la chute. Puisque le royaume de Dieu ne s'est pas établi, alors les premiers chrétiens ont reporté le rendez-vous à la consommation des siècles. Le symbole des apôtres, qui est la plus ancienne, une des plus anciennes confessions de foi de l'Église, qui est à peu près contemporaine du livre des Actes, dit ceci, vous vous rappelez, « Il viendra de là pour juger les vivants et les morts ». C'est l'affirmation du retour du Christ à la consommation des temps. Du coup, notre existence avec Dieu n'est pas seulement une nostalgie, c'est aussi une attente. Et cette attente, elle prend la forme de la foi. Pas seulement une nostalgie tournée vers l'ailleurs, vers une harmonie perdue qu'on désespère de retrouver, mais aussi une attente orientée vers une réalité à venir qui n'est pas encore manifestée, une espérance. Et c'est là, je crois, que Luc veut en venir. Ce temps de l'Église, dont il raconte les débuts dans le livre des Actes, c'est un temps intermédiaire. C'est le temps de l'entre-deux, entre l'Éden et la consommation des siècles. Et ce temps, c'est celui de notre vie chrétienne présente. Si bien que Luc nous parle en réalité de notre présent, c'est-à-dire par ce récit très provocant et provocateur. Il veut nous dire, votre foi doit être adulte, elle doit parvenir à la maturité. Devenir adulte d'abord, en vous défaisant d'une chose qui est très répandue, c'est de votre penchant à l'utopie. L'utopie, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de rêve, d'imagination, de produit mental qui, par définition, n'a pas de lieu, donc ne peut exister nulle part. On raconte l'histoire suivante, c'est qu'un jour, un disciple s'est plaint à son maître que les conditions idéales n'étaient jamais réunies pour bien étudier la parole de Dieu et pour bien prier. Et son maître lui a répondu ceci, au temps où nous sommes, le degré le plus élevé de la piété, qui dépasse l'étude et la prière, c'est de commencer par prendre le monde et de l'accepter tel qu'il est. Et il en va de même pour l'Église. L'Église qui, en aucun cas, ne peut être la reproduction du paradis terrestre. Il n'y a pas d'Église idéale, pas plus qu'il n'y a de société idéale ou de monde parfait. Il n'y a pas non plus d'église de pure. Les gens ne sont pas supérieurs là qu'ailleurs. Luther, à la fin d'une vie qui avait pourtant été consacrée à reconstruire une église qui lui paraissait plus fidèle à ses origines, Luther dit quelque part « Je n'ai eu que des êtres humains à ma disposition. » Et malheur à nous s'il nous prend l'envie de vouloir établir par nos propres forces ou nos propres moyens le royaume de Dieu, ici-bas. L'utopie se transformera inévitablement en cauchemar. La communauté parfaite, qu'elle soit ecclésiastique,
qu'elle soit politique, finit toujours par dévorer ses enfants. Si vous voulez vous en persuader, relisez le contrat social de notre cher Jean-Jacques. Il décrit une société en quelque sorte idéale, et dans les dernières pages, il se pose la question, oui, mais il y aura toujours des dissidents et des réfractaires. Que faut-il en faire? Eh bien, on les élimine. Cette rude loi de l'histoire, nous devons l'accepter du point de vue de la foi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la foi adulte, c'est aussi acter que le péché n'est pas absent de la vie de l'Église. Le simple fait de se déclarer chrétien, d'appartenir à une communauté, ne suffit pas à nous en débarrasser. Nous allons encore avoir affaire avec lui. Vous savez, c'est cette objection qui n'en est pas une, qui est une banalité un peu bête. On nous dit souvent de l'extérieur, « Ah, mais les chrétiens, ils devraient être meilleurs que les autres, et quand on voit ça, c'est complètement décourageant. » Vous avez déjà entendu ce genre de discours. Eh bien, non. Non. Alors la question qui se pose pour nous, c'est, comme chrétiens, comment fait-on pour vivre avec le péché? La réponse, il faut aller la chercher, je crois, dans l'essence même du message qui nous est confié. Ce message, c'est vrai, il est singulièrement absent de l'histoire d'Ananias et Saphira, mais j'ai dit que c'était une histoire volontairement provocatrice. Hein ? Ce message, c'est celui de la rémission des péchés. Nous croyons que les péchés sont remis. Et rémission, c'est un mot plein d'espoir. C'est un mot plein de lumière. Rémission d'une maladie, rémission d'une peine. La vie continue. Nous croyons qu'il y a une puissance, une énergie qui est plus forte que le péché. Que cette puissance, elle trouve son origine en Dieu. Et qu'elle nous transforme en même temps qu'elle nous soutient. Alors même que jour après jour, je fais l'expérience de mes limites, de mes manques, de ma faillibilité, eh bien ma foi me fait connaître que j'en suis libéré, parce que Dieu m'adopte tel que je suis, et il me bénit comme son enfant. Et donc la rémission des péchés, elle s'adresse en priorité aux membres faillibles de l'Église que nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous demeurons pécheurs par nature, mais libérés de ça par la foi. Tant et si bien que l'Église est une communauté dont les membres sont ce qu'ils sont, mais dont le projet de communion est sauvé par Dieu. Et je conclus avec une formule de Maître Eckhart, prédicateur rhénan dont la pensée audacieuse n'a pas toujours été très bien perçue à son époque, et qui disait à la fin d'un sermon, « Ton péché n'intéresse pas Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est l'étincelle qu'il a mise dans ton âme, une étincelle entre le temps et l'éternité. » Amen.
entrons dans la liturgie de la Sainte Cène. Dieu notre Père, qui te lie d'amour avec les vivants, Christ, source de joie, dont la parole révèle le Père, Esprit Saint, Dieu parmi nous, énergie à l'intérieur de nous-mêmes, nous faisons mémoire de ce que tu nous laisses en partage. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. » Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Et je vous invite maintenant à chanter. Nous chanterons au numéro 221. Les strophes. Seigneur Dieu, rassemblés autour de cette simple table, nous célébrons l'œuvre de Jésus-Christ, ton serviteur et notre maître. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, afin que, recevant ce pain et ce vin, il nous soit donné de communier au Christ vivant. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te prions pour les peuples de Russie et d'Ukraine, pour leurs dirigeants, pour les fidèles et les responsables de leur Église et de leur communauté religieuse. Renforce leur solidarité et leur générosité. Nous te prions pour nos gouvernements en Europe et dans le monde, afin qu'ils mettent tout en œuvre pour arrêter cette fuite en avant.
renforce entre les chrétiens les liens de la paix et du respect. Protège-les des préjugés, de la manipulation et de l'instrumentalisation. Donne-leur ta paix. Protège ton peuple partout où il se trouve. Fais se lever la voix de ton Église, ici et là-bas, pour que cesse cette folie et cet aveuglement. Donne-nous à tous le pouvoir et le courage de ne pas succomber à la haine, l'injustice et la violence. Préserve-nous des jugements superficiels. Rends-nous solidaires des victimes. Donne-nous la force de vivre dans la vérité et ta paix. Étends ta bénédiction en tout lieu. Souviens-toi des malades, des vieillards et des mourants. Approche-toi de ceux qui sont dans le deuil et dans l'anxiété ou l'isolement. Enfin, nous te prions pour ceux que nous aimons, ceux qui sont si chers à notre cœur et que nous te nommons dans le secret de notre cœur. Et toutes nos prières, Seigneur, nous voulons les réunir maintenant dans celles que ton Fils nous a enseignées et que nous te disons avec une même voix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ce pain que nous rompons est le signe de la communion avec celui par qui nous sommes enfants du Père. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est le signe de notre communion avec celui qui est vivant à jamais. Venez car tout est prêt, la table sainte appartient au Seigneur, c'est lui qui vous invite. Je vous propose de communier en défilant, c'est-à-dire de vous approcher de ce côté-ci et de regagner vos places par l'autre côté. On s'avance. La richesse de la vie, à proximité de ta présence immuable, accepte notre gratitude, garde-nous disponibles, toi qui es la source de notre être. Amen. Il sera recueilli, d'avance, soyez-en remerciés. J'aimerais faire quelques annonces. D'abord, une annonce de la part de l'Église centrale, l'Église protestante. Le mercredi 3 mars à 18h30, au Temple de la Madeleine, un temps de prière en relation avec les événements d'Ukraine est offert et tout le monde, bien sûr, s'il le souhaite, peut se rendre à ce temps de prière, donc à la Madeleine, mercredi 3 mars, à 18h30. Je vous rappelle que, donc, mardi, il y a de nouveau les rencontres autour de Calvin au fil des paraboles, et cette fois, nous réfléchirons aux commentaires que Calvin fait du sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, voilà. Je vous rappelle également que jeudi 3 mars, au Temple des Eaux Vives, à 18h15, il y a une possibilité pour revenir sur la prédication de ce jour, où vous pouvez
la critiquer, c'est pas du tout interdit, ou la prolonger, ou en débattre. Je serai présent et les textes de la prédication sont disponibles à la sortie. C'est donc au Temple des Eaux Vives à 18h15 jeudi. Et puis dimanche prochain, alors la traversée des Actes des Apôtres continue, c'est Emmanuel qui va continuer ça, sauf erreur, c'est Simon Lemage, c'est juste, voilà, l'histoire de Simon Lemage qui est assez pittoresque elle aussi. Et il s'agit d'un culte invitation avec contact jeune au temple de Malagnou à 10h. Je vous invite à présent à chanter. Nous chantons au numéro 373 et nous chantons les 4 strophes de ce cantique. Recevez de la part de Dieu sa bénédiction, que l'amour de Dieu notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix inébranlable que seul Dieu donne. Amen.